ce mois-là. Faut réfléchir, hein, tu vas envoyer 50 000 et 100 000 francs à ta maman. Ah là là, c'est comme si c'est comme ça. On n'a pas le courage d'admettre ça souvent, mais si un homme, je vous assure, aide sa famille, c'est parce que sa femme le veut. Sinon, une femme, si une femme ne veut pas qu'un homme aide sa famille, il ne va jamais le faire. Elle a les moyens pour l'empêcher. Donc, si vous avez pu rentrer dans la maison là-bas, là, vous savez même pas si c'est elle-même qui a intercédé auprès de son mari pour que vous puissiez partir là-bas. Vous rentrez en combat contre elle. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Quand on dit que la nuit porte conseil, là, c'est pas l'oreiller qui donne conseil, c'est la femme qui a couché à côté de toi. Elle te fait relativiser. Elle voit plus loin que toi et elle te dit des choses qui t'ont échappé. C'est pour ça, là, ta femme peut venir te dire à ton ami qui est là, là, je le sens pas, faut le changer. Parce que elle C'est peut le horrible. voir, elle peut le sentir. Donc, quelque Oui, part, enfin, moi, la je femme en vous général, elle est dotée d'une, c'était d'une intuition qui dis. fait que. Oui. La femme a mal fait, mais eux-mêmes, là, elle a mal fait, d'accord. Mais qu'est-ce que vous-même vous faites pour vous-même? Parce que jusqu'à preuve du contraire, ça c'était votre frère. Elle ne vous doit absolument rien. Qu'est-ce que vous-même vous faites? Vous mettez les Damien, mains dans la mon boue là cher maintenant. Damien. Ok. Comme tu es le boss du panel, je sais qu'il fait tard, mais on est là, on est accroché. J'étais descendu pour un appel, mais je suis bon. J'ai profité, j'ai réécouté un peu la vidéo, mais j'ai analysé encore quelque part. Encore, je changerai pas ma position pour ça. Je sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans parce que, belle-sœur, et on sait vraiment, nous sommes tous africains, nous savons ça. Il y a beaucoup de soucis. Mais, jusqu'à preuve contraire, moi, je voudrais que là, si c'est, en tout cas, on est là à donner des opinions. C'est pas ce que nous, on veut que ça s'applique. Parce que, le problématique est déjà là. C'est pour cela, dans un panel, on est en train de discuter. Donc, faut pas que ma voix ne compte pas. Mais c'est avec l'analyse que moi, j'apporte. C'est ça qui est important. Donc, moi, j'ai réécouté la vidéo là avant de remonter ici. J'ai vu les. Il y a quelque chose en bas qu'on peut pas, faire sortir directement ici. Mais, n'eût été tout ça, moi, j'aurais préféré que la dame prenne la hauteur à cause de son défunt mari. Laissez la famille dedans. Trouver des voies de moyens. C'est pour elle le bien et ses enfants. Definitely. Parce que, il y a aucun papier n'a certifier que la maison appartient à la famille, c'est-à-dire si c'est il a mis ses soeurs là-bas ou les frères, bah, on n'a pas ça. Et eux-mêmes, ils n'ont pas dit ça. Ils ont juste dit, il nous a pris de l'autre côté, là-bas même c'était en location, et il nous a mis ici. Donc ça veut dire que c'est temporaire. C'est temporaire, quel que soit le problème. On attend le jugement, c'était le Non, combien, mais bah. Lebron, Ouais, Lebron, ouais. il y a déjà s'ils sont en justice, ça veut dire qu'ils ont intenté Voilà, il y un a un problème. procès C'est pour cela que je à dis, la Daniel, il y a dame un sur sa problème. propre maison. Donc, du moment où tu viens intenter un procès contre moi et que moi, on me donne raison, ou bien que moi, j'ai les possibilités de te faire sortir, parce que tu n'avais, parce que je suis sûr que c'est pas elle qui allait en justice, non. La manière dont ils étaient en train de parler, je suis sûr que c'est eux qui sont allés en justice. Et Effectivement. ils se sont rendus compte que c'est qu'ils ont. Du moment où toi tu peux m'envoyer en justice, tu n'es plus mon frère, je N'y a suis plus mon désolé. frère. Même si tu es mon oncle, ma tante, tu sors. Tu Là, c'est sors. ça que j'ai dit, c'est ça que j'ai dit, Denis, pour ne pas te couper, c'est ça que j'ai dit. Le fait que j'ai réécouté, j'ai vu qu'il y a une tension quelque part, il y a une vraie, donc ils peuvent se montrer les muscles, hein, il peut y avoir démonstration. Mais bon, moi, vraiment, elle pouvait prendre la hauteur et laisser la famille là, en Non, la attendant famille, elle est de paresseuse. La Non, famille, si, si elle a le chien. envoyé. Non, non, Si c'est pas, elle est pour femme tout comme bon, ça. hein, Elle c'est est pas femme aussi si pour il l'a la envoyé justice. en C'est pas pour justice. tout bon, hein. Bon, ok, LeBron, moi j'estime que si on m'envoie en justice, c'est parce qu'on se dit qu'on n'est plus une famille. Parce que si on est une famille, on va chercher à appeler les anciens, les Réglé à plus âgés, l'amiable. et puis Oui, régler mais à Dani, l'amiable. tu Mais penses si. pas que c'est la femme qui allait du côté de la justice parce que ça fait longtemps qu'elle veut récupérer Non, son père? non, je pense pas. C'est les sœurs. Je pense pas. Ah bon? Non, non, Ah, je ne faut sais pas, pas, c'est mais je pour ne cela. pense pas. Maca, on ne sait pas, hein, on ne sait Maca, pas. voilà. En tout cas, l'affaire là va nous Attends, Dan, révéler il y a des une belles seule familles. chose. Il y a des belles familles même. Dan Dan, aussi. Dan, elle Oui. va nous informer. Affaire d'échec, là, c'est récent, bien, c'est une vieille histoire. Mais au fait, Hier, vendredi, c'est vendredi, là. hier. C'est hier là. Mais. Ah, Waka, tu sais, quelqu'un avait mis dans les commentaires. Mais je me suis dit que c'était une vieille histoire, un truc comme ça. Au moment où on Regarde est en train de ce qu'il y a chercher dans les la bouche commentaires. de Waka, là.
Oui, après ça, quand on a fini tout ça, là, on papotait ici. Après un temps, quand tu as dormi, les gens mettaient ça encore en commentaire. Donc, je suis parti vérifier. J'ai fait jouer la vidéo. On les a foutus au dehors, en plein 14 h. Non, mais quand c'est comme ça, même l'attitude de ceux qui sont dehors, même là, ça montre qu'on. Ça montre. Je Qu'on devait les Ça chasser. me fait pas rire, On les mais. a chassés Ça montre qu'on devait les chasser. Non, ça montre qu'ils ne sont Et pas puis faciles. tu sais que Ils les sont affaires sont gentils. cancellées. La grande sœur dit qu'elle a ses produits qu'elle doit prendre, qu'on ne la permet même pas de toucher. Que Oui, de prendre ses médicaments. ses médicaments, Moi, je voilà. dis, si cette famille avait la possibilité de récupérer tous les biens Vous allez le du faire. joueur là, Vous allez ils le allaient le faire. faire. Pourquoi Ils ne veux allaient pas que le je peux faire. faire monter? Ils allaient le faire. Mais le gars, il avait deux Mon femmes, non? deuxième Non. Non. Ça fait Il plus a dit, il n'avait pas de deux femmes. Il va nous dévoiler ces détails. Hein. Et quand il y a un truc comme ça, c'est toujours ceux qui ont tort qui courent pour appeler les journalistes. Hein. Parce que c'est toujours eux qui sont en train de chercher à ébruiter l'affaire. Hein? Non, c'est pas un journaliste de prendre à côté. Est-ce Oui, mais tu es que avec les je réseaux mets une sociaux. hypothèse, hein, je peux me Je veux dire, tromper. avec les réseaux sociaux, il se permet de pouvoir contacter quelqu'un pour pouvoir ébruiter l'affaire, pour pouvoir diffuser l'histoire. Mais pas derrière. Si vous avez des choses à vous reprocher, autant rester dans le silence et puis régler vos histoires avec la nana. C'est Mada ou bien c'est Laetitia qui les a mis dehors? Ils ont parlé de Mada. Non, c'est Ah. Mada, c'est l'épouse officielle, quoi, non? Donc Mais oui, mais de toute façon. c'est sa femme de galère. Non, ils ont dit que ce n'est pas sa femme de galère, que sa femme Les de galères galère même s'appellent était allée au Emmanuela. bon. Ils arrêtent. La go qui a Ils bouche là, elle arrêtent. dit que la femme de Donc, galère était allée au bon. regarde le bras de sale qui a la bouche, là, elle dit. Ah, Aussi, celle-là, ici, là, je on l'ai vu dit parler, là. Elle a dit compris polygame que. assumé. On dit polygame assumé. Cheikh est marié à Mada et Laetitia Doukou. Actuellement, il vit avec sa première femme, Mada, et leurs deux enfants. Au début du mois de septembre, il aurait épousé en cachette Laetitia lors d'une cérémonie traditionnelle en Côte d'Ivoire, son pays natal. Une union qui n'a absolument pas plu à sa maîtresse Niki Mpofu, avec qui il a déjà un enfant. Il m'avait promis qu'on se marierait. J'étais même prête à accepter son idée de polygame, mais malheureusement, mais maintenant. Et soit elle est déjà protégée avec les documents, Non, en donc c'est pas 7 ans, maintenant. non, en 7 ans, il y a des enfants qui ont commencé, ils sont nés aujourd'hui, ils ont 7 ans, ce sont des surdoués. Des enfants qui sont, j'en ai vu un qui a 6 ans, qui joue hyper bien au piano, qui fait même des grandes salles et tout ça. Les Donc en enfants 7 ans, il y a de beaucoup de choses Madala. qui peuvent se passer. En 7 ans, ils n'ont pas pu se réaliser. En Je 7 ans, on peut avoir un master, c'est possible même d'avoir un doctorat en 7 ans. En 7 ans. Ouais. Ah, Oui, mais vraiment. là, tu entends parler, là, de toute façon, je veux dire, Il ce avait chef combien était le d'enfants au fils d'Adam, total? c'est lui qui ramenait forcément l'argent à la maison. Donc, à partir de ce moment-là, quand il est décédé, c'est elle qui devait aussi faire quelque chose aussi pour pouvoir évoluer financièrement. Il a Qui laissé ça? trois enfants, trois. Oui, Deux mais avec trois enfants. Et puis, elle celle qui est est là, enceinte. là, et un. Vous Et puis, parlez elle comme est s'il enceinte. Il les y a avait une qui est abandonnés. enceinte. Il est décédé. C'est pas comme s'il les avait abandonnés pour aller avec une autre. Il est décédé. Donc, Ouais, c'est à ça, partir c'est du ça. moment où ton Oui, mari il est décède, décédé. toi aussi tu cherches à évoluer aussi financièrement. Tu t'as, c'est pas si t'es de l'Orient. Effectivement. Donc, Dan dise que Effectivement. l'enfant soit surdoué ou pas surdoué, si il veut, il est un futur pianiste ou quoi que ce soit, ben, c'est elle qui mettra les moyens Non, mais pour ce qu'il que je puisse veux dire, devenir c'est un quoi? futur C'est que pianiste. elle repart vers la famille pour demander quoi que ce soit. Elle se gère, elle pense aux enfants. Et là. Ils allaient commencer à s'entretuer pour garder cette maison. Oui. Attends, c'est la Non, je. maison d'où? Abidjan ou bien en Europe? Non, Abidjan, Abidjan. Faya. Mais tu sais que Dani, ils vont Oh, pas un se. souci. Les femmes là vont. Comment on appelle ça? Les filles vont être mariées, elles vont partir parce que c'est les grands frères peut-être qui vont Mais où garder la elles pensent maison. pas à partir. Elles Elle pensent reste à partir sa là-bas. room, là où elles sont. Avec Elles ne sont pas vraiment déjà mariées, elles ont enfants déjà même des enfants dans la campés maison. là-bas. Ça, tu vérifies, même elles sont déjà mariées dans cette maison-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Parce que tu vois, c'est comme il y a quelques jours de cela, j'étais dans un panel où on avait un sujet qui parlait de. Enfin, ça parlait de la vie, des difficultés de la vie actuelle et le fait que les gens ont tendance à chercher à aller travailler, font des enfants, mais en fait, ils les laissent soit au domestique ou à la garderie. Et puis, ben, tu as une personne qui dit, ben,
Oui, tu as souvent des hommes qui restent même dans le cocon familial, le temps qu'ils trouvent un boulot et tout, ils sortent de là-bas, ils ont 40 ans. Mais comment veux-tu que quelqu'un reste dans son cocon familial jusqu'à 40 ans? À 18 ans, En 19 ans, tout tu cas, sais que tu es en train de faire tes si vous études, mais me il faut permettez, partir. je vais vous 40 ans, il est laisser. trop jeune, hein? Je Il n'a vais pas aller enfant. au lit. Je vais vous laisser, mais Ok, en tout cas, d'accord. cette histoire-là nous apprend que tout laisse vraiment, quoi. Même si ton papa, C'est clair. même si ton papa est ministre, faut chercher pour toi. Parce Mais que là, bien sûr, mais c'est ça, la honte, c'est la clair. honte comme ça, là. La honte comme ça, là. En tout cas, bonne nuit à tout le monde. Tout ça, là, moi, vraiment, c'est compliqué, Mais le mais bon, je voulais tu vas pas qu'on fouiller, mais même Manuela, là, je suis sûre qu'ils ont dû lui faire Mais la c'est comme bûche. ça, elles sont, hein, les belles-sœurs, tu sais, c'est comme Quand ça, elles sont. on a besoin d'elle, il faut l'appeler en la caressant dans le sens du poil. Voilà, Et maintenant, elles sont, c'est à toi de caresser Manuela. Ah la ben, majeure ça marche partie, pas elles comme sont ça. visibles. La Mais c'est ça, majeure je partie. sais que Manuela a été traitée n'importe comment, et puis aujourd'hui, Oui, ben, maintenant, on s'en va la chercher, on passer s'en sa va chaussure. chercher, ben oui, c'est ça, quoi. Et c'est bien dommage, tout ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Il Non, faut mais que il tu y en essayes a de les voir. belles-sœurs, là, c'est comme ça. Hein. Quand elle tombe sur la mauvaise belle-sœur, automatiquement, la première qui Non, était pas bien, la qui t'a mauvaise, la regroupée sur dure, là, la dure. voilà, Pas la la mauvaise, la dure. dure. Automatiquement, on peut ramener la bébête qu'ils n'ont pas voulu au début, là. La bébête qu'ils ont tout fait pour que... Ah, celle-là, elle est trop bête. Elle est comme ça. Voilà. Maintenant, ils pensent que ça va faire mal. Le gars, il est décédé, ça fait 7 ans. Ça peut plus faire mal. Oui. Oui, il ne sait même pas même. Ah! Comment lutter même? Bon, on peut comprendre. Mais pensez... Bon, on vous a mis dehors, là. C'est pour les enfants. Normalement, la maison, là, même doit revenir même à vos neveux. Ça ne doit même pas vous faire mal. Vous êtes en maison, vous faites tout et n'importe quoi. Il s'en fout des neveux, tu les connais, non? Là, ils avaient occasion, ils allaient chasser. Ils allaient chasser neveu là, même s'ils avaient occasion. Bon, vous jouez. Ça va aussi. Ça va aussi. Ah, mais parce que là. Là, c'est arrivé un moment, il faut que. Il n'y a plus d'entrée d'argent. Je n'ai pas pu être là la nuit Vraiment, du jeudi au vendredi. Waka, Oui, on a regardé tout. Yes, Je ne suis pas fâché. Mais ton rouge à lèvres que tu as mis sur ce truc-là, il faut Non, m'avoir Waka, une suivi. fois de bon, il faut faire sortir ton Bon, c'est visage. rouge à On lèvres. va respirer. Non, on a fait ce que je veux. On a fait Waka, il n'est problème pas au suivi, bout. il est dormi. Qu'est-ce que Il est j'avais dormi mis au. sur Non, j'étais encore dehors. On a cherché Waka, c'est une bouche à belle femme. ma Même, même en voyage ici seulement, on est convaincu. Waka doit être malinqué. Les malinqués, nous, on est jolis. Hein. Tu parles de quoi? Mais surtout si vous êtes mixé là avec les peules, oh là, vous tirez encore On devient plus. Les peules, on devient les malinqués du Wassolo. Yeah, that's what I'm saying. Oui, So exactement, ma si vous grand-mère est êtes du mixé, Wassolo. Hein? si Ah, les moi je suis malinqués du sont Wassolo. les plus belles femmes Ah, ma animées, grand-mère est du c'est Wassolo, du côté du voilà, Mali. Ma c'est les grand-mère, une de mes malinqués grand-mères, en fait. Wow. Quand une malinquée se met avec un soleil, Donc, tu as dit du Wassolo, laisse tomber. Eagle. C'est Eagle qui a dit ça, hein, c'est ça? C'est Eagle, oui, Eagle. Ah, ok. All right. Wassolo Kale. Ah, ok. Non, sinon, moi, je suis d'origine guinéenne. Il faut laisser tomber. Ouais, c'est ça. Ah, tu Wassolo, le peuple de Wassolo, c'est vers Ah, le Kankan, Kankan en là, et plus. Kaba Gerewolo. Je crois qu'elle a dit aussi qu'elle est gros, non? Ça va, c'est gros, là, même, là. Oui, ça. Hein? Après ça, les gros sont Ah, beaucoup Waka fait musulmans. rire. Elle dit quand elle arrive à Abidjan, elle va En plus, mettre Kaboul. Non, tu vas Ah, pas. le bon, Hey, toi, tu n'as pas oublié, toi, tu bourgeois. n'as pas oublié ça. Bourgeois, si Oui, elle met cagoule là, tu retires cagoule, tu fais vite photo et puis tu nous amènes, c'est Mais tout. hier, on a décidé d'enlever cagoule de Waka pour Ah, faire elle dit problème. qu'elle va enlever. Ouais. Non, oui, elle dit on n'a qu'à trouver sa bouche. Elle a montré sa bouche, ses yeux. Ah non, on me dit que Mais la bouche que je mets ici tous les jours, que c'est que c'est sur pas pour elle. Google. But people C'est pas pour elle. don't know que quand tu prends une photo sur Google, dès que tu prends la photo pour remettre sur Google, la photo va pop out tout de suite, ça va sortir. Non, mais attends, Donc, Waka, tu peux même you pas faire, cannot lie. tu peux même pas faire ça, faire des jeux comme ça, alors que c'est pas toi. C'est pas Non, possible. non, non, peut-être que quelqu'un peut faire ce Parce jeu, mais même si tu le fais, Google va te trahir. Parce que tu prends sur Oui, Google, puis tu prends sur Internet. Google va te lui, trahir. Donc, hier, on a fait un petit jeu ici. J'ai mis voilà, plusieurs photos. Attends, on a fait défiler. J'ai dit aux gens, je suis allé sur Google d'abord, on n'a pas vu. On n'a pas vu du tout. Donc, finalement, j'ai dit aux gens, et chacun va prendre la capture pour aller sur Google et puis on va voir si on va vraiment trouver ou pas. Voilà. J'ai juste découpé les photos, sinon, c'est la même personne.
C'est la même personne. Madame Sylvia Delegui, c'est sa star aussi. Sylvia, il y a une Congolaise, il y a une influenceuse congolaise qui a été attrapée, je crois, il y a un ou deux mois comme ça. Elle qui prenait des photos des gens pour mettre là. Elle prenait les photos. Elle prenait la photo des photos sur Google, oui. Elle prenait des photos sur Google pour dire que non, c'est mes vacances, genre les voyages, les images là. Voilà. Ils l'ont attrapée. On va t'attraper dès que tu mets. Oh, on a attrapé une autre femme comme ça. Camerounaise, il n'y a pas longtemps. Ils ont pris ces images-là. Ils ont fait rentrer dans Google. Les images sont sorties. Et oui, oui. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr, la bourgeoise, ben, c'est comme ça que. Mais il y a même une influenceuse, enfin, qui. Souvent, on l'attrape comme ça. Parce que quand elle poste des vêtements ou des montres, quand les gens vont mettre ça sur Internet, ils retrouvent tout de suite. Donc c'est comme ça qu'on retrouve tout. Hein. Ils vont bien maquiller. Si tu prends sur Internet, tu peux faire passer par ça. Sur Internet, forcément, on va retrouver sur Internet. Comme ça, on attrape les influenceuses. Beaucoup attrapent les influenceuses comme ça. En tout cas, elle, la Congolaise, là, ils l'ont attrapée. Il y a toutes ces images. Ils disent, on peut rentrer, tout est sorti. Mais voilà. Pourtant, il faut la voir. Elle en voyage. Et tu sais, on voyage tant, les belles images là, avec les coupes de champagne, avec le soleil qui est en train de se coucher. Et tu sais que pour elle. Oui, elle avait sa photo sur le profil. C'est ça. Ah ouais. Et puis, bourgeois, demain tu vas danser. Cas, on a fait portrait. Non, moi je suis la journaliste. Non, ouais. Je suis l'animatrice. Elle est la chroniqueuse. Elle a dit à Sylvia hier. Mais j'ai rien compris. Quand Trapp est monté, Trapp et Ben sont montés net, en même temps, il a commencé à dormir. C'est quand mon portable s'est éteint même. Oui, jusqu'à mon portable était déchargé. Ça s'est éteint tout ça là. Oui, ils sont restés longtemps. Il me réveille, j'allume, oui, même... mon portable était. Moi-même, tu n'as même pas fini même de rentrer sur Google. Tu as dit seulement, vous qui avez Google, est rentré dans Google, puis et c'est parti. Putain, tu dormi. On t'a appelé jusqu'à. moi aussi. Les recherches l'ont emporté ou bien. Il était fatigué. Pascal, moi, j'ai bien suivi. Non, j'ai bien suivi. Elle-même, dès qu'elle est montée, elle a commencé à dormir. Non, je ne dormais pas. J'avais bien suivi au départ, sauf que mon écran est resté figé. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas enlever, je ne pouvais pas me démuter. Donc, ce que j'ai fait, j'ai éteint complètement. Même pour éteindre, c'était un problème. Même pour éteindre, je n'arrivais pas à l'éteindre. J'ai dû faire un truc comme reset. Et puis, du coup, mon mari m'a dit, laisse le téléphone en charge pendant toute la nuit et puis tu verras bien. Et c'est comme ça que j'ai mis en charge, mais après, j'ai commencé à m'ennuyer. J'étais restée sans téléphone, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendue, je suis allée regarder Netflix. Et puis après, le téléphone est resté comme ça et c'est ce matin que j'ai allumé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Que tu as pris la capture ou la photo que tu veux. Si tu veux, tu prends la capture de la bouche là, tu réduis, tu vas mettre là-bas et puis ça va sortir tout de suite dès que tu mets la photo. Il y a des bouches qui vont sortir maintenant parmi ces bouches de publicité, de comment on appelle, de rouge à lèvres. Tu vas chercher dedans si tu vas voir. J'ai dit que la personne qui trouve sur Google à 1 000 euros, hein, parce que ça va pas, tu trouveras pas aucune photo que tu mets ici. Plus de 1 000 euros même, 2 000 euros. Aucune photo de bouche que je mets ici, tu vas trouver sur Google. Because, ami, c'est moi. Attends, on est obligé d'être vilaine quand même, vilaine bouche. Hi. Yeah. les gens laissent tomber. Oui, amen. Mais comme j'avais vu dans un commentaire hier, justement, il y a quelqu'un qui a dit, si Waka, tu te montres pas, c'est parce que tu as honte. Et moi, j'ai répondu, je dis, il y a quoi avoir honte? C'est parce qu'elle veut rester, comme on appelle ça, mystérieuse. Non, c'est un truc qu'elle a choisi. Voilà, elle va enlever. Si t'as envie de rester mystérieuse. Mais de toute façon, les gens qui l'entourent, chacun sur le panel. Quand tu viens sur Internet. Effectivement, ils veulent plaquer une photo sur un panel et puis insulter. C'est tout ce qu'ils cherchent. C'est ça. Des médiocres, quoi, you know. Ah, ça. C'est ça sur Internet. C'est un peu comme quelqu'un qui te dit il faudrait que toi, tu te mettes à danser le mapuka. Et toi, tu dis à la personne. Mais non, j'ai pas de fesses et tout. Et le jour, la personne te voit. Aïe. Tout TikTok a chamboulé après ça. Non, je croyais que Infalsifiable, c'est une petite. C'est une boule un peu. Mais waouh, quand je l'ai vu. Elle s'est élevée là. Ah, ça. C'est une belle femme. Bagage. Ouais, là, c'est pas fait, c'est bagage. Ah, c'est bagage. Tu restes mystérieuse parce que tu connais tes capacités, puis tu sais ce que tu vaux, puis tu sais qui tu es.
Voilà. Exactement. Bah, c'est ta confiance en toi. En tout cas, quelqu'un de moche ne peut pas faire ce genre de jeu. Célestine, Non, mais oui, bien tu peux sûr. porter Tu un ne peux masque. pas avoir Oui, les qualités. attendez, je vais Voilà. reprendre à Célestine. Célestine, si tu veux danser demain, tu peux porter un masque, il n'y a pas de problème. On n'a pas forcément besoin de voir ton visage, non. Tu peux mettre un masque si tu veux et puis tu danses, il n'y a pas de problème. Personne ne va te reconnaître si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de Quand j'ai problème. acheté mon masque, elle est venue danser aussi. Oui, le masque est permis. Le masque est permis. Non. Le masque est permis. Bal C'est pas masqué. grave, nous les bonbons là, on va continuer comme ça dans ce mystère-là. Ça nous plaît comme ça. N'est-ce pas? Attends, même les vents, Tu sais, attends, même les vents je vont. t'avais Attends, dit, Waka, que j'avais rêvé de toi. Donc, attends, Pascal. moi, je reste Même amusée. vous, Pascal. Même Oui. vous, les vents, vous n'avez pas eu la chance de voir votre. Oh my God. Ah si, moi j'ai eu l'occasion de la voir. Elle Ben devrait au voilà. moins ouvrir la Mais c'était petite fenêtre en pour rêve, vous le qui êtes bon. C'était les en vents par rêve. là. Mais moi, c'était en rêve. Et puis, j'avais vu ça sur Ils vont sur d'autres Ah, lives. j'aime le Ils côté veulent s'écouter, ils vont qui rester comme ça sans commenter là. Ils veulent Ceux qui sont forcément en commenter. Europe On les mute à gauche, à droite. en Europe et en Afrique, le décalage horaire qui fait. On Hier les matin, mute en fait, nous seulement. a jeté notre corps là. Ah Il oui, c'est bon, moi je y fais avait 3h20, bon, Mabio, je descends Mabio, bientôt oui, pour Mabio. dormir, mais comme je ne Mapixou. travaille pas les week-ends, c'est pour cela que Mapixou, je suis merci. toujours là, Quand tu tranquille. nous as jeté là, il y a des fois, nous avons cherché, mais ça, retrouvé dans la politique. Il y avait la politique jusqu'à. Je te jure, moi-même là, quand Waka ferme là, je mets ici la politique, je mets chez John là-bas. Quand John me voit, oui, Waka, bourgeoise, appelle Waka. Il y a eu une histoire il était en train de faire béret de Guinée là, où la jeune fille, il y a une jeune fille là. ouest. Il dit, Moi, je bourgeoise, voulais faire. Mais appelle comment je Waka vois la ici, vidéo? appelle Waka Ah bon, ici. hein? Comment je vois la vidéo? Ça ressemble à un buzz. C'est pour cela que je n'ai pas voulu faire le direct dessus. Je vous ai dit ça depuis Oui, avant-hier. c'était un peu bizarre, Oui, oui. Mais j'avais dit si tu ça. vois la fille, n'a Pour même voir la pas vidéo, honte. comme si c'était un Ça ressemble buzz beaucoup à un organisé buzz. par les gens là. Oh, ça ressemble au C'est buzz. Non, non, là, c'est sérieux. Là, c'est sérieux. sérieux, c'est sérieux, c'est pas un C'est buzz. sérieux, en Il a fait, dit c'est les un garçons buzz. chargés. Vous connaissez l'affaire. Quand ils gagnent l'affaire comme ça, les garçons, hein, ils ont chargé ça comme ça. C'est des panel Chargé, hein. de John là. Ah! C'est pas normal, on t'a pris au village pour t'envoyer. Et les hommes, quand ils gagnent Elle les a l'occasion ratés. d'allumer les. Je dis, elle a provoqué les hommes, ils étaient dans tous leurs états. Faut voir John aussi, aggrave affaire. Elle dit que Eh le bien, tu gars vas qu'elle voir a un pris peu au la village là, bourgeoise même. c'est pas son goût. Le gars n'est pas son goût, c'est pas son modèle. Et puis c'est le tuteur qui a pris le mouvement. Mais tu Toi, vas t'es voir que dans dans tout Poignée ça, même Pomme la au bourgeoise, village, tous ceux qui tu venaient n'as pas commenter maison. là, tu vas voir que parmi tous ceux qui étaient en train de s'énerver ou commenter, forcément, il y en a qui ont eu à passer par là, qui ont eu à sortir avec la femme de leur vieux père. Mais ils sont là en train de tous s'exciter comme des poules là, dans les cheveux sales. Là. Ah non, mais laisse tomber. Mais moi, je comprends pas. Toi, tu es sur le bing. Tu es en location. Bon. Quand il dit location même là, tu squashes le vieux père. Vous tous, vous dormez, tu dis, mais toi, tu viens femme là-bas. Hein? Il paraît Non, 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 qu'il a sous-location. Il paraît au qu'il a, voilà, sous-location, qu'il a loué une chambre. Ah, Donc, c'est pas comme d'accord. s'il dormait chez les gens simplement. Non, non, mais il pense qu'il a loué. Ah, d'accord. Mais même si, même là, tu es sous-location, tu vas prendre dans ça. Ah, tiens. Ah non, ah non, Et le plus souvent aussi, le plus souvent, les jeunes, ils investissent sur les go, ils les font traverser. Ils mentent dans les situations. Quand les gos viennent maintenant et découvrent autre chose, ce n'est pas facile que vous vous entendiez parce que tu as tout dit, j'ai mon appart, alors que Ah. tu es en colocation du couple. C'est-à-dire, moi, le gars la permet d'aller vers le monsieur juste pour les papiers. Là, elle n'aura Mais rien à dire. c'est pas Mais prostitution que tu fais comme ça, ta femme. Non, mais Une c'est femme comme de si femme tu doit tomber demander la la prostituée, Non, en t'as fait. pas compris, t'as pas compris. Je veux juste dire que si au moins la négociation était entre les deux, ils se sont tombés sur un truc, en accord avec un truc, et puis ça marchait ou ça foirait, mais au moins le départ, si c'était les deux qui étaient impliqués dedans, c'est mieux aussi que si c'est elles seules qui prennent l'initiative d'aller chercher les papiers, any kind of way. Parce que tu ne peux pas chercher les papiers n'importe comment quand même. Debron, dans les deux sens même là, c'est n'importe quoi. T'es même là, c'est le mec qui a dit que sa femme est prostituée. Ok, je vais Voilà, ok, on va écouter. Bon, attendez, je dois fermer le ici.
C'est la fille de Conakry, ça. Ah. On dit, elle vient du village hein, de Kankankoura. Oh, really? Elle n'est même pas de Conakry. Elle est de Kankankoura. Wow. Hé, hey, quoi pour la Yorodjan, là? C'est le mec même qui, au final, je crois, sous le mandat de François Hollande, où il fallait régulariser des personnes qui travaillaient en France, mais qui étaient sans papier. Et tiens-toi bien, c'est lui qui a finalement qui a été régularisé et qui, ils se sont paxés et qui a donné les papiers à sa femme actuelle. Donc, elle savait très bien dans quelles conditions elle venait. Je pense qu'il ne faut pas défendre aussi l'indéfendable. Pascal, je ne défends rien. Pourquoi ça aussi exactement? Je dis. Mais elle devait bien savoir que quand elle était, il s'appelle en vidéo. Maintenant, avec la technologie, il n'y a pas quelqu'un qui va... Si tu as un smartphone que tu n'as pas, WhatsApp ou bien d'autres applications qui permettent de vous appeler en vidéo et de voir que le monsieur, il sous-loue une chambre quelque part, c'est qu'il y a un problème. Yeah. Mais les gars aussi peuvent, en appel vidéo, il sort, il va dans un autre coin et puis c'est pas son problème. Il y a beaucoup qui sont complexés. On n'a pas dit qu'il avait menti. Non, moi j'ai même pas, j'ai juste ajouté ça, j'ai juste dit parce que je connais la mentalité des gens, surtout les jeunes qui se la pètent, qui viennent du côté de l'Europe, tu vois, un peu, et qui veulent se montrer trop après. Oui, maintenant... mais sauf que si elle aussi, elle a eu les yeux plus gros que son ventre. Non, elle a eu plus gros, mais c'est ça, elle a fait, effectivement, elle a eu plus gros. Mais voilà, c'est pour ça que je dis des fois, c'est parce que nous, on s'est accusé, l'homme. Non, quoi. Le jeune, moi, je l'accuse même pas. Les femmes deviennent même pires que les hommes. Oui, mais je nous avais montré. Pascal. On n'obtient pas le visa. Elle a eu les yeux plus gros que le ventre, ça, c'est sûr que, voilà. Laisse tomber. Il y a des femmes qui arrivent ici. Et puis c'est pas le premier cas. On a c'est même pas le premier cas. On a beaucoup de cas, beaucoup de cas, beaucoup de cas. C'est même pas le premier cas, ni le dernier. Il y en a même qui viennent par vis avec pied tu largues. Exact. Et voilà, en tant que tu as investi, tu as payé le billet d'avion, tu as payé des filles, tu as payé. Bon, même les hommes, après, moi je connais comme c'est un cas aussi. Hein. Même les hommes font ça. Les hommes et les femmes, les deux font ça. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, c'est pas la peine de vouloir montrer du doigt que les hommes en fait. Mais c'est qu'elle a eu les yeux plus gros que son ventre. À New York, ils sont versés à New York. À New York, les gens sont passés par la route, là, ils sont versés dans les rues. Oh, mais quand il... Oh, mon Dieu. Ah, tu parles de Nicaragua, c'est ça? Oui, les Nicaraguais, là. Mais ça a diminué beaucoup, ça a beaucoup diminué. C'est quand fermé. Trump va revenir, là, Trump va les foutre dehors encore. Trump, seulement, là, il est sans état d'âme. De... Non, Trump ne peut pas venir, parce que la dame, là... Okay. Depuis là, je parle, mais j'étais mutée. Je dis, on va regarder... J'ai l'impression que c'est un buzz, mais bon, on va regarder. Je vais me muter et puis mettre son. Mets le son. Dites-en, ça c'est un preuve. Ça, c'est un preuve. Terre à terre. Ça, c'est un preuve. Voilà. C'est la petite vidéo seulement. Attendez. C'est la petite vidéo seulement qui se trouve sur Internet. C'est pour cela que je dis que ça ressemble trop à un buzz. Regarde comment la fille est en train de marcher là-bas, en fait. Elle s'en fout, elle a dit qu'elle s'en fout. Oui, mais Waka, ça se voit donc aussi qu'elle s'en fout, hein, parce qu'on est en train de te filmer comme ça, c'est qu'elle montrait au gars que je m'en fous, en fait. Le gars est en train de dire ça, c'est une preuve. Elle est enceinte du gars. Elle est avec son téléphone. Nirukou, avec ses pieds. Normal. Oui, mais elle s'en fout. Waka, elle s'en fout, en fait. Elle est contente, elle est déjà sur le territoire français. Donc, tu veux qu'elle fasse quoi d'autre? Donc, la maison où elle est maintenant, elle voit que c'est pour chez le vieux père, donc elle se sent bien à l'aise avec le vieux père, quoi. Ah, le vieux, lui, il a sa maison. Même si là, ça fait mon pays ici. Elle a la nouvelle femme. Coucher ensemble, ils vont coucher ensemble. On dit qu'elle est de Bokeh, hein. On dit qu'elle est de Bokeh. Une fille malhonnête de Bokeh fait la honte pour toutes les femmes de Bokeh, honte à toi. Juste quand on l'insulte. Chier. Il aura loupé. On t'a pas loupé dans ça là. Terre à terre. Non, elle s'en fout. Elle est fière de ça. Madidi, elle a quelques sendés. Aluna. Aluna. Tu as grand bain, tu te gara. Wallahi. La fille s'en fout carrément. Non, mais c'est ce que je dis, Waka. Je dis, elle s'en fout, en fait. Elle s'en fout.
Nancy veut dire, il y a quoi? Il y a quoi? Nancy, avec les manières maintenant. Mm-hmm. Y a quoi? Et puis, sans même chercher même à comprendre ce qu'elle dit en dialecte, déjà, dans son attitude, on voit qu'elle s'en fout. Elle s'en fout. Mais regarde le truc, moi, c'est qu'il m'énerve. Ils ne se sont jamais vus. Ils ne se sont jamais vus. Et puis, lui, il envoie quelqu'un marier la fille. La preuve, d'abord, si ce n'est pas un buzz, comme moi, je pense, la preuve est que, avant qu'il sorte son téléphone pour filmer, apparemment, il l'a pas avec son vieux père dans la rue. Les deux s'amourachaient, apparemment. Le vieux père est parti. Oui, hein, les deux s'amourachaient. Donc, maintenant, de sortir son téléphone pour commencer à la filmer et tout. Elle aussi, elle s'en fout, elle a son téléphone, elle marche, tchaka, 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 tchaka. On lui parle même parce qu'il dit à son ami, faut le laisser, hein, Soussou. Faut le laisser, ne lui fait rien. Faut la laisser plutôt. Faut la laisser, ne lui fait rien, laisse-la faire ce qu'elle veut. Je vais pas l'insulter, je vais pas insulter ses parents, moi. Non, faut la laisser. Elle va faire ce qu'elle veut. Mais ça, quand même, c'est une preuve que j'ai. Ok, donc, c'est comme j'ai, à la fille, mais là, elle est en train de faire les manières à ça, à la fille, mais, à l'ami du gars. Non, c'est. Quoi? Quoi? Attends, plus ramasser. C'est trop simple. Parce que c'est pas, elle fait avec manière. Avec les pires que les hommes. Non, les hommes sont toujours pires. Ah, non. Faut pas arracher les diplômes aux hommes, pardon. Faut laisser les diplômes aux hommes. L'élève va dépasser le maître. On va leur montrer comment on tape pour remplir le diplôme, hein. Taper pour leur donner. Ah. Et puis c'est vrai, l'élève va dépasser le maître. Ils se connaissent même pas. On fait mariage à distance. À distance. Mariage à la Bible, c'est comme ça. Mais tu sais, arrive maintenant. Il y a beaucoup de mariages. Tu vois le design du gars. Le design du gars ne te plaît pas. Mais j'accepte de rester. Tu racontes que le temps de. D'avoir une bouée de sauvetage pour partir. C'est comme ça. Dans les restes, elle a vu le vieux pays, il est chic, il est truc. Et puis, ah, bon, quand même, voilà. C'est petit, elle est chic aussi. Ah, elle a vu que l'autre, là, il ne va pas être chic. C'est qu'il a... Elle est chic, belle petite forme. Le seul problème, c'est l'épaisse. Sinon, le jeune homme est bon. Mais c'est l'épaisse, la différence. Bon, il n'a pas, l'autre n'a pas l'épaisse, l'autre a, bon, il a trouvé de prendre. Mais et l'autre côté, est-ce que l'autre côté, ça marche bien aussi, c'est ça? Ça marche bien. Viens le sous. Hey, ça marche très bien même. Ça marche. Je pense que elle est venue, elle a vu que le vieux père, si vraiment c'est pas un buzz, le vieux père a une situation meilleure à l'autre parce que c'est son gars ou son mari qui loue une chambre chez le vieux père. Donc la situation du vieux père est meilleure. Donc elle se dit mais attends. Elle a de l'avenir, c'est là. Pas, voilà. Est-ce que je vais pas bras ici pour prendre le vieux père en même temps et puis je suis la reine de la très maison. Très ambitieuse. Bonjour. Deux ans, c'était le panel de Tifis. Et puis, il y a un gars qui est monté. Il a fait venir sa go de l'eau là, hein, traverser l'eau là aussi. Et puis, elle est arrivée en Italie. Et puis, la fille, trois mois après, elle ne veut pas de lui. Elle est partie même de la maison. Même. Le gars, il n'a pas pu, il ne pouvait pas boire de l'eau. Le gourmet était lourd sur lui. Pour finir, il entra bien. Hein. Il a laissé tomber. Oh, mais il est venu par l'eau. Il est retourné. Il a dit non, pas bien. Oh. Ah, c'est ça. Fort, hein. Il a voulu, il parle même un homme et puis il pleure. Attends, j'ai demandé au monsieur, il dit non, attendez, avant de lui mettre dans vos émotions, qu'est-ce qui te fait mal? C'est la femme ou c'est l'argent? Faut me dire entre les deux. Et puis il y a un monsieur qui dit, mais les deux même. J'ai dit, ah mon frère, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein? Mais quelle idée, même toi, mais tu te cherches, n'a pas encore ton sèbre, tu vas aller prendre quelqu'un qui n'a pas sèbre encore, puis vous allez vous casser la tête. Au moins, si vous êtes croisés là-bas, on peut comprendre, mais tu vas aller chercher l'autre côté pour envoyer. Chez vous, là-bas, c'est bon, si elle tombe enceinte, ils vont voir, ils vont donner papier. Chez nous, ici, là, tant que ton enfant que tu as mis au monde n'a pas 21 ans, tu n'as pas papier. 21 ans. Mais il passe par Italie, non? Hein? C'est pas Italie qui passe, non? Non, c'est parce que quand le bateau les prend, je crois que c'est l'OMS ou l'ONU. Là. Centre d'accueil. Là. Il y en a ici aussi, hein, les centres de réfugiés camp. Ici, là même, ils sont là. Mon cher, les Africains aussi, quand ils arrivent, on est là dans les camps, là. Ils ne connaissent pas leurs droits et puis ils commencent à courir. Maintenant, ceux qui ont des parents un peu partout, en France, et tout comme ça, ils cherchent à les retrouver. C'est mieux de rester dans le camp. Mais Aigle, toi, quand tu parles des autres personnes, tu parles peut-être de ceux qui viennent de... Tu parles des Sud-Américains, toi? Non. Et l'hôtel est pas des États-Unis. Pour les États-Unis, ce n'est pas les Sud-Américains. Hein. Nos parents africains la payent leur avion et puis ils descendent en Chili.
ils descendent quelque part en Floride. Oui, mais je veux dire, aux États-Unis, c'est plus les Mexicains et tout. Non, les Mexicains, c'est différent. Les Mexicains, eux, ils sont juste derrière ma porte ici. Ils n'ont qu'à traverser. Oui, mais je veux dire, n'empêche qu'ils sont nombreux à prendre plus de bateaux, mais c'est plus les gens de l'Amérique du Sud. Mais, enfin, même le Mexique n'est pas dans l'Amérique du Sud. Non, les gens qui arrivent vers... Bon, écoutez, l'Amérique du Sud, ceux qui viennent, ils sont mélangés. Il y a les Indiens, il y a les Africains, il y a tous les pays d'Afrique, du monde. Du monde même se retrouve là. Donc, mais c'est pas seulement les chiffres. Je veux dire par là que les chiffres disent en général que si les gens... Non, c'est ce qu'ils disent. Mais quand oui, c'est dans le temps des... Maintenant, comme ça a changé. J'ai regardé le documentaire, ça a changé. Tu verrais plus des Africains. Quand je te parle d'Afrique, je te parle de tout. Hein. Oui, même mais aujourd'hui, de nos jours, là, hein, de nos jours... Pour les Camerounais. Quel pour les Camerounais aussi, d'ailleurs. Oui, mais encore les Camerounais, ils sont un peu bilingues. Mais je veux dire, tu vas dans un pays anglophone... Ivoirien, Zaïrois. Il y a eu que tous les pays d'Afrique. Il faut prendre... C'est vrai, c'est mélangé. Il y a eu le documentaire, j'ai regardé. Oui, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis. Je dis, c'est pas normal, en fait. Tu vas pas chercher à prendre des risques pour aller dans un pays, pour immigrer dans un pays, sachant que tu ne parles même pas la langue, en fait. Ah, oh, il s'est arrêté, ça, il a fait la langue. Le gars vient entrer, c'est qui? Tu auras quand même des difficultés, non, je veux dire. Non. Tu connais, est-ce qu'elle connaît le langage des pieds et des mains? Minja s'est monté aujourd'hui depuis elle descend et remonte et dit rien. Coucou Minjas, Minjas. Oh oui, c'est vrai, Minjas. Minjas ne parle pas de qui? Pascal. J'ai une histoire que j'ai entendue ici. Là. Il y a une go là. Elle est dans l'Alba ici. Elle allait chercher son copain qui est passé par la baie. Elle lui récupéra l'Italie. Elle l'a envoyé chez elle. Le gars, il est assis dans la maison. Elle va au travail. Elle vient les courses. Quand elle habitait au dernier étage, il n'y avait pas d'ascenseur dans son bâtiment. Elle luttait les bagages comme ça. Le gars est couché dans la maison, il ne veut pas chose. Un jour, elle dit, mais aïe, au moins quand il vient les bagages là, viens m'aider au moins à soulever les bagages là. Mais tu es couché. Non, lui, il est l'homme. Hein, lui, il ne se voit pas en train de venir aider la femme. Ah bon? Parce que la femme, elle doit faire. Elle n'a rien dit. Un week-end, elle a récupéré son colis. Elle dit, allons en congé. Où tu es quitté là, en son congé là-bas. Elle a déposé le colis là. Chou, elle est revenue. J'ai été avec des Haïtiens qu'on a pris à la clinique. Parce que la fille attend, sa fille dort, elle crie. Donc, ils l'ont amenée à la clinique pour s'occuper d'elle. Et moi, comme je parle français, et elle dit qu'elle parle français. Forcément, elle ne la comprenait pas bien. Hein. Mais elle a expliqué un peu bon, dans son créole français. Là. Moi, j'ai fait les Antilles. Donc, je comprends un peu, mais il faut bien sûr. Parce que les Haïtiens ont aussi leur créole est bizarre. Ouais. Donc, le créole haïtien est différent du créole antillais. Oui, les Guadeloupéens sont différents. Mais tu les comprends, ils se comprennent très bien. Et les mots, c'est comme les Malinkés, un Kouyaka et un Ogideka, ils se comprennent. Donc, ma chère, la fille dit qu'elle a quitté, ils ont quitté l'Haïti. Haïti, ils sont partis, ils ont pris leur vol pour descendre en Chili. En Chili, quelque part là-bas. Ils ont fait un an là-bas pour travailler et puis économiser l'argent. Comme les gens font en Tunisie, là. Ils gardent l'argent. Et ils font ça là-bas au Chili. Mais Chili, là, moi, je sais déjà que c'est un pays qui est très, très, très bien organisé. On parle pas d'eux, hein. Mais moi, si je vais être immigrant, mais en Chili, c'est mieux. Là-bas, là, social, là. Les Français parlent de l'air social. Les Européens, là, ils sont rien près des gens de Timi. On te donne l'équivalent de 3 000 $ par personne. 3 000, tu es à la maison, on te prend en charge. Il déménage. On dit oui. Et le serpent, elle le voit où? Dans la forêt, dans la brousse? Ils sont partout, traversée. Même la chose là. En Californie, ils sont pendant la traversée pour aller aux États-Unis, c'est ça? Voilà, oui. D'accord. C'est un peu comme les gens qui souffrent aussi, qui quittent les Ivoiriens ou les Camerounais qui passent par la Tunisie ou le Maroc, enfin qui sont retrouvent. Voilà, c'est la même chose. Voilà, si... Donc, il faut marcher. Elle dit, tu marches avant de trouver. Vous êtes dans la forêt, mais ils ont des marches. Oui, il y avait un documentaire qui avait montré ça. Combien de kilomètres? Ah oui, il y a un documentaire qui avait montré comment ils triment jusqu'à ce qu'ils arrivent au mur. En fait, il y a un grand mur. Oui. Même avant ce mur-là, tu as beaucoup d'Américains, beaucoup de patriotes ou de nationalistes qui ont des armes, qui ont essayé de se mettre un peu juste avant le mur. Ça, c'est Arizona. Donc, Ils tirent sur ces personnes-là. Mm-hmm. Alors que vis-à-vis de la communauté internationale, ils n'ont pas le droit de faire ça. Non.
Ils disent soi-disant qu'ils font ça pour les repousser, mais vous les repoussez, je veux dire, à peine ils ont souffert pour arriver là, laissez-les rentrer, et à la limite, si vous devez leur faire une ordonnance pour quitter le territoire, il n'y a pas de souci. Mais de là à vouloir, c'est que tu arrives au bout de ton effort, et puis là, on se bat à tirer sur toi, mais là, c'est, ça devient, c'est autre chose. Là. Ouais. Si, il y a une émission, peut-être, qui a parlé de ça. Mais pas de Haïti, parce que quand eux, ils arrivent là, les boulots, mon cher, le gars, il a faim. Le boulot de 1000 dollars, lui, il te dit que donne-moi 200, il est fait. Et puis, gâte le marché. Il gâte le marché, voilà. Mais le gars a fait, il n'a rien pour manger. Toi, tu cherches rien pour construire. Ah. Ouais. Oui, mais c'est bien dommage tout ça. Hein. Dommage, hein, c'est, ça fait pitié de le voir. Mais vraiment, moi, je ne peux pas envoyer de l'argent à mon frère pour qu'il traverse. Mais du côté de Tirol, il passe par où? Parce qu'il sache que la frontière de Tirol est bien protégée. Même pas. Non, c'est pas bien protégé. L'être humain, quand il veut traverser. Tu n'as pas vu clôture du Maroc, là, comme les Africains là, grimpent ça, comme si c'était rien. Oui, le mur qui sépare le Maroc de l'Espagne, en fait. L'Espagne, là. Clôture de Tirol, il y a vu, là. Ils sont organisés, hein. Il y a une fille, là, qui a expliqué, elle dit, tu grimpes, il y a des arbres, là. Elle dit, tu grimpes sur l'arbre. Elle dit, l'arbre de... Comment on appelle ça, en français? Olive trees. L'olivier. Les oliviers, voilà. Elle dit, une branche, tu peux te coucher dessus, ils ne vont même pas te voir. Il dit, tu dis quoi? Hein? Elle dit, faut bouger. Tu bouges, ils vont te frapper à 10. Ils vont te casser tes côtes. Elle dit, donc quand tu grimpes là, tu te colles dessus, quoi. Elle dit, tu mets comme chenille. Tu branches là-même, tu es collé à la branche là-même. Quand il est l'heure de partir là, ceux qui vont par bateau là, elle a dit le nom du bateau là-même. Bon, j'ai oublié le nom. Elle dit. Le conteneur là. Les bateaux qui viennent les prendre, ils ont le nom. J'ai un autre nom pour le bateau. Ah. Dans les pirogues façon. Les pirogues façon en caoutchouc là. Elle dit quand ça vient comme ça là, ça s'arrête. Tu as payé ton argent, les Arabes là, puis maintenant tu montes. Maintenant, il y a ceux qui vont grimper. Elle dit souvent, mais ceux qui grimpent là, il y a des filles même qui veulent grimper. Parce qu'elles n'ont pas l'argent pour payer. Maintenant, quand tu prends, pourquoi on grimpe là, ils disent c'est moins cher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent 1000, comme des fourmis. Maintenant, vous grimpez. Pour pas attraper tout le monde, ceux qu'on attrape, c'est eux qu'on frappe et on les fait retourner. Là. Maintenant, tu te soignes jusqu'à quand tu repars encore tenter. Elle dit que si ça refait, va refaire encore. Ouais, c'est une guérilla. J'ai dit waouh. Elle y est toujours là-bas? Voilà, le Zodiac, voilà, voici le nom. Là, les gars sont en bas, hein. Donc, Non, moi, je ris, c'est pour surmonter le traumatisme. Sinon, c'est triste. C'est pas parce que j'ai envie de rire, mais si je ne ris pas, je vais Et puis, si tu as envie de rire, tu ris. Moi, j'ai regardé un documentaire, il y a un journaliste qui s'est mis dans la peau. Compagnie non-profile, comment on appelle, non-lucratif, là. Donc, la compagnie, là, il fallait suivre les gens, là. Mais les gens se faufilent entre les passeurs, là. Ils commencent à Daloa. Ils prennent le car. Le car va jusqu'à Boaké. On ramasse des gens. Et puis, ils connaissent les clients, hein. Ils ramassent des gens aussi. Ils vont jusqu'au Burkina. Là, maintenant, ils passent le Niger. Arrivez au Niger, maintenant, vous durez un peu, vous asseyez un peu. Vous pouvez faire 2 semaines au Niger ou 1 mois. Et puis maintenant, quand le passeur là, il vient, il revient là. Chacun a son passeur. Donc, quand tu es tombé là, on dit bon, le gars va venir dans 2 semaines. Quand il revient là, il prend les gens maintenant, les gens là, pour partir maintenant pour arriver en Libye. Quand tu arrives en Libye, si on t'a vendu une personne qui est bien, Dieu merci. Si on t'a donné à des sorciers, ils vont te faire ton affaire là propre. Maintenant, le gars arrivé là-bas, maintenant, c'est les. Ils sont des trucs de Croix-Rouge et autres. Et puis, ils vont avec les gens de Croix-Rouge. Mais ils ont déjà fait le trajet. C'est des journalistes, la plupart. Ils écrivent tout ce qui se passe. Et c'est. De toute façon, on fouille les gens. Ils disent, on fout des habits. Oh. Moi, je ne sais pas comment les femmes la voient avec les enfants. Quel choquant, là. Les passeurs, là, tu leur donnes ton bébé.
tu payes. Maintenant, tu as quelqu'un qui attend. Et lui, sa soeur attend. Oui. Le cette bébé. Histoire-là, j'ai écouté ça. Ils ont donné le bébé là, puis le pasteur a fait passer le bébé. Quand sa soeur a pris le bébé, elle dit, ah, j'ai le bébé en main. C'est organisé, hein? C'est organisé. C'est pas non. Maintenant, on voulait pas que lui monte dans le bateau avec sa femme. Il dit, vous allez mourir, vraiment mourir ici. Il dit, ma femme ne reste pas derrière. Parce que si elle reste derrière, ils vont la mourir. Il dit, non, je vais avec elle. Ils ont traversé ensemble. Et puis, ils sont arrivés en chose. On les a pris. Il dit, après 3 jours, ils se sont égarés sur l'eau. Voici affaire. Quand tu écoutes tout ça, vraiment bon. Après, quand j'ai fini, après ma graduation, j'ai dit, moi-même, je ne veux plus de votre affaire. Ça traumatise les gens. Et franchement, même eux-mêmes, hein, ils en sont traumatisés parce que, si tu veux, dans ma ville ici, enfin, je suis très, très, très loin de Paris. Donc, pour des problèmes de logement, ils ont pensé mieux faire en envoyant certains migrants dans les campagnes ou dans les provinces et tout. Et moi, dans ma ville, on a un centre social. Et le centre social, des fois, on organise, si tu veux, sur le plan culturel, on fait des années en faisant des litres d'eau qu'ils puissent boire durant la traversée. Ben, il n'y en avait plus, il n'y avait plus d'eau. Et tu vois, le sel de la mer avait blanchi et séché les lèvres, en fait. Et tellement ils étaient perdus, ils ne se retrouvaient pas. En fait, c'est les dauphins qui les ont guidés. Et c'est par eux que j'ai su qu'en fait, moi, je ne savais pas que quand tu es sous l'eau et que tu trouves des dauphins, justement, il ne faut pas avoir peur, que c'est les dauphins qui te guident. Oui. Qui vont alerter, en fait, les grands bateaux de la Croix-Rouge ou des organismes pour les alerter, en fait, qu'il y a des gens qui sont là. Tu vois, moi, je ne savais pas ça. Donc, c'est en discutant avec eux que j'ai découvert ça. Oui, c'est ça. Ils m'ont dit que, justement, qu'on leur a dit que, comme il y a les dauphins, de ne pas avoir peur. Il faut suivre, justement, ces dauphins-là. Parce que c'est eux qui sont en train d'aller, pour leur trouver le chemin. Et ils se sont retrouvés à Malte. Il y avait un grand bateau, et c'est comme ça qu'ils ont pu les repêcher, en fait. Mais ils disent qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas où ils étaient. Ils n'avaient pas d'eau. Ils n'avaient pas d'eau. À un moment donné, t'en as qui commençaient à s'endormir. Donc oui, tu as un côté aussi qui commence à balancer. Enfin, le zodiaque ou le truc bateau pneumatique là commence à balancer parce que t'as d'autres qui commencent à s'endormir. Donc il fallait essayer de jongler. Quand d'autres s'endorment, il faut que d'autres soient encore éveillés pour pouvoir rester sur le côté. Enfin, ils ont dit que c'était compliqué, mais vraiment compliqué. Et à les écouter comme ça. Ah non, tu te dis, il faut qu'ils voient des psychiatres. Tu es un vaurien, tu es venu, tu es parti, tu n'as même pas pu partir, tu es nul. Tu vois que tes amis même se moquent de toi, mais beaucoup se sont suicidés. C'est ça. Oui, mais ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. C'est un peu comme les parents qui vont dire à ton enfant, tu vas dire à ton enfant, en voulant le comparer à un autre, que oui, regarde, l'autre elle a fait sa vie, regarde où elle est arrivée, toi t'es où. Non, ce n'est pas bien. Tu peux donner des conseils à quelqu'un sans vouloir faire de comparaison. Parce que tu sais pas ce que la personne elle vit. Tu ne sais pas. Les parents africains, ils aiment beaucoup comparer, beaucoup rendre leurs enfants petits. Parce qu'il y a quelques jours, justement, où je le disais tout à l'heure qu'on était sur un live où on parlait des personnes qui restent longtemps dans leur famille, jusqu'à 40 ans et tout. Et justement, il y a une dame qui parlait des suicides qui se passent actuellement en Côte d'Ivoire. Et apparemment, c'est même pas des adultes. C'est les plus jeunes qui font ça. Et moi, je disais que c'est pas normal, parce que si un enfant ne se retrouve pas, c'est que pas derrière, t'as le parent qui ne le met pas en confiance. Mais c'est ça. Si tu rassures ton enfant, je te jure que même s'il est le plus moche de la terre, il va se croire beau. Oui. Mais si voilà, tu ne rassures pas ton enfant, nos enfants, tu es vilain, tu es ceci, tu es cela. Voilà. C'est que toi-même, si tu rassures pas ton enfant, lui-même, il se sent pas rassuré. Comment veux-tu qu'il trouve sa place dans la société? C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on était sur le panel ce jour-là. Je disais, il faut qu'on communique beaucoup avec nos enfants. Parce que si tu commences à dire à quelqu'un, regarde, l'autre, il est parti en France, il a pris le bateau, toi, tu fais. Et puis, je crois, 2 ou 3 Camerounais. Voilà. Et le reste, bon, je ne peux pas parler avec tout le monde. Je ne pouvais vraiment pas discuter avec tout le monde. Voilà. Mais bon, de toute façon, ils sont partis d'ici. Hein. Ils avaient du mal à s'adapter parce que ils voulaient voir plus d'Africains. Mais il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas de Noirs. Il n'y en a pas, on est peut-être 5 ou 6 mois comme ça ici. Donc, tu vas faire quoi?
Donc, ils sont partis plus dans les grandes villes. Donc, je n'ai plus de leur contact pour savoir comment, qu'est-ce qu'ils sont devenus, psychologiquement parlant, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et voilà, quoi. Mais à les entendre, c'est quand même compliqué. Ouais, la traversée, là, il faut avoir le courage pour le faire. Il faut vraiment avoir le courage. Donc, voilà. En tout cas, chapeau à ceux-là, parce que vraiment, ce courage-là, je ne peux pas. Mais souvent, c'est bon d'être peureuse. Comme ça, tu évites certaines choses. Eh oui, eh oui. Mais bon, si... Mais par contre aussi, tu as ceux qui vont venir, alors qu'ils peuvent aussi quand même avoir, comme moi je dis souvent, les moyens qu'ils mettent pour entrer, pour arriver avec la traversée, ils peuvent prendre quand même cet argent pour faire du commerce. Parce que quand tu vois le montant qu'ils donnent, tu te dis qu'ils peuvent quand même aussi faire du commerce aussi avec ça, en étant... Oui, mais le problème c'est que... Quand ils sont gamés, là, tu peux rien faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les millions même dans sa vie. Non, mais je te parle de ceux qui... Je te parle de ceux qui... Cette traversée, c'est une loterie. Parce qu'il y a beaucoup... J'avais appris qu'il paraît que les jeunes de Dalois, beaucoup, les jeunes de Dalois, beaucoup ont pris la route. En temps, la plupart, ces jeunes-là, il paraît que c'est des jeunes qui se cherchaient déjà à la base, qui faisaient les petites affaires, qui... Donc, ça veut dire qu'ils avaient quand même un peu. Mais ils ont préféré laisser ça et puis venir, voilà, essayer le suicide. Donc, il y a des gens, quand ils ont ça dans leur tête, quels que soient les millions qu'ils gagnent par jour, ils vont se mettre en route. Oui, c'est, oui, c'est ça que je te dis, il y a ceux qui sont gamés, moi je les mets dans la catégorie de ceux qui sont vraiment gamés ou qui veulent vraiment rien comprendre. Pour eux, l'Europe c'est l'Eldorado, il faut, voilà, coûte que coûte, mais souvent il y a, c'est pas tout le monde qui arrive en fait avec ses deux pieds et ses deux bras. Ouais. Comme il y avait une histoire aussi, j'ai entendu une dame, elle avait un pont pour lui, elle travaillait pour la fonction publique, tout. Elle a laissé ça pour venir se chercher, lutter ici pendant... Je dis, mais attends, toi tu travailles à la fonction publique. Tu laisses ça pour venir. Non, quand c'est comme ça, au moins, là, prends les vacances d'abord. Tu check. Maintenant, une fois que tu es prête, maintenant, tu peux choses. Mais tu vas laisser ton boulot de fonction publique et puis venir. Bon, comme il y a des gens aussi. Bon, non, mais moi, une personne comme ça, je peux même pas avoir de la peine pour toi, en fait. Non. Oui. Si tu arrives quelque chose dans la traversée, durant la traversée, moi, je peux pas avoir de la peine pour toi. Parce que je me dis que tu avais déjà un boulot. Oui. Tu avais déjà un boulot. Donc, rien ne te présageait de vouloir prendre le bateau, quoi. C'est ça. Une sécurité à vie. Fonction publique, tout le monde cherche, toi, tu es dedans. Mais tu laisses ça pour venir lutter. Les gens qui n'ont pas pitié de eux. La vie qui est là. En tout cas, déjà, moi, je trouve qu'il n'y avait plus d'eau. Et tu ne peux pas prendre l'eau de mer, là, encore pour boire, puisque même ta bouche est déjà salée, ton corps est déjà rempli de sel pendant 3 jours. Et quand tu sais, jamais ils ont vu des gens qui sont aussi tombés à l'eau, qui sont morts. Mais tout ça, c'est un traumatisme. Donc, c'est pour ça qu'il faut, quand ils arrivent comme ça, il faut qu'ils soient surpris. Pas qu'ils commencent à appeler leurs parents pour dire, ouais, regarde la tour Eiffel, regarde ceci, regarde cela. Non, allez consulter non, d'abord les psys. Tu sais que les sociologues aussi, c'est le totem des Africains. Hein. C'est notre totem. Parce qu'on apprend à l'Africain qu'il faut être pudique. Il ne faut pas tout raconter. Et aller voir un psychologue, c'est comme si toi-même tu t'érigeais comme un fou, alors que c'est pas possible. C'est ça, tu vas voir un psychologue. Ouais. Mais moi je te dis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi mes parents sont très. Moi j'avais même quoi, 8 ans, 9 ans, j'allais déjà chez un psy au plateau. On m'envoyait chez le psy, pourquoi? Parce que je t'ai... très, très associable, en fait. Je n'aimais pas quand les gens venaient chez nous à la maison. Quand les gens viennent à la maison, je dis, vous venez pour manger. Ou quand j'ai des cousines qui viennent en vacances, au moment de partir, qu'on avait les slips de la semaine. Tu vois, tu as lundi, mardi, écrit sur ta culotte, là, tu vois. Et qu'est-ce que je faisais? Je prenais ça, je mettais ça dans les... Si tu vois, parce que quand les gens venaient à la maison, ils disaient toujours à mes parents, vous aurez du pain sur la planche avec elle. Même ma maman, pour qu'elle puisse donner l'argent à quelqu'un, elle t'accompagne dehors, qu'elle enlève, donne. Et vous voyez que on n'aimait pas ça. Mais je te jure, on n'aimait pas les gens. On voulait rester qu'avec nos parents, entre mes soeurs et mon frère. Et même ma maman, des fois, me dit que si elle était morte, elle se serait dans sa tombe, elle serait en train de m'applaudir quand elle voit comment je suis devenue. Elle serait morte, elle serait en train de m'applaudir. Parce qu'elle ne pouvait même pas imaginer quand elle voit avec dans mon couple, on reçoit du monde, comment je reçois les gens à la maison. Des fois, elle me dit waouh. Et puis elle explique même aux gens, des fois. Hein. Elle dit vous l'aurez vu quand elle était petite, mais
C'était infernal. Donc, pour te dire que si tu peux envoyer ton enfant chez le psy, il faut envoyer. C'est pas la peine. Bon, pour te dire, hein, j'ai 40 ans. Donc, pour te dire, on m'a envoyé depuis l'âge de 8 ans. C'était difficile. Je n'aimais pas les gens. C'est pour ça qu'on m'a envoyé à l'internat. Donc, j'ai fait tout mon psy primaire à Notre-Dame du Plateau. Pareil, le collège. Jusqu'à ce que j'arrive ici à 14 ans. Pour te dire. Ah, nous, là, donc, on avait du monde à la maison, laquelle, moi-même, tu as ouvert ta bouche pour dire que. On n'a pas les chasser. Ah non, ah non. Moi, je n'aimais pas du tout les gens. Franchement, je n'aimais pas du tout. Ah, ma chère, on n'aimait pas, mais on allait faire comment? Oui, ou la personne m'a dit, on échange nos numéros de téléphone. J'ai dit, ok, donne le tien. Mais la personne me donne le numéro, je te jure, j'enregistre. Hein, mais pour aller dans WhatsApp, pour écrire à la personne, non, je me dis, faut encore reprendre certaines habitudes. Coucou, ça va, qu'est-ce que tu deviens, patati? Non, non, non. Moi, je continue seulement avec ceux avec qui je dois continuer. Mais c'est un problème. Et ça, ouais, c'est oui, oui, oui. Ça, je le sais. Je sais que je dois beaucoup travailler ça sur moi. Ça, je le sais. Mais bon, à mes 40 ans, j'ai pas fait grand chose non plus. Côté amitié, c'est pas une obligation. Si tu te plais dedans, tu restes dedans. Le plus important, c'est que dans ton couple, tu reçois. Voilà, c'est déjà le plus important. Oui, quand il faut recevoir, je reçois. Hein. Les gens viennent, on est content, on mange et tout. Mais je veux dire, tu me demanderas pas ça de faire ça pendant 3 jours. Les gens vont commencer à m'énerver, en fait. Non, mais c'est une façon de dire que, genre, si pour recevoir des gens pendant 3 jours, je peux pas. Moi, un jour, ça me suffit. C'est que, en fait, je vous ai assez vu. Pour moi, c'est ça. Je vous ai assez vu, c'est bon. Ah, donc, bah, c'est tout fin. Ben oui. Et ça, c'est compliqué, tu vois. Voilà. C'est très, très compliqué. Beaucoup amélioré. Moi-même, je le reconnais. Je te jure que je le reconnais. Que... Ma maman me dit ça tout le temps. Elle me dit, bah, des fois, elle dit, par contre, toi, tes enfants, en parlant de mes enfants, elle dit, mais par contre, mes petits-enfants, ils sont très sociables. On voit qu'ils aiment les gens et tout. La maladie appartient. Maintenant, quand ils vont dire que la maladie du sel vous appartient, vous allez vous fâcher. Non, une maladie, c'est une maladie. Ben, c'est voilà. Ça. C'est pas écrit dessus que lui, ça c'est réservé. Le stress, c'est qu'on est voilà. La couleur de peau, blanche, noire, jaune. Les gens ne se retrouvent pas et les psys l'avaient déjà dit. Bonjour élève, Wakatola TV. Les dames, moi, je vais fermer la télé, mais je vais jouer 30 minutes de musique. Ça fait 2 jours, je dors sans musique. Alors que c'est comme si c'était quelque chose qu'on fait ici chaque soir. Mais voilà, je vais jouer la musique. Il n'y a même pas de piezo. Wakata, tu as des nouvelles de piezo? Il est 4h chez nous, hein. Il est 4h du matin. Wow. Non, mais j'ai dit piezo, tu as de ces nouvelles parce que j'ai pas de piezo. Il était là hier. Ah, il d'accord. Il était là toute la soirée. D'accord. Sûrement, tu dormais avec le décalage parce que toi, tu es en Europe, en France. Donc, avec le décalage horaire, sûrement, tu dormais. Si, il était là. On a fait. Hier matin, il était là. Quand tu nous as jetés là. Ça s'est coupé chez nous. Là. Oh, si, ça fait des nuits toujours chez nous. Amine, non, je dormais et puis le direct s'est coupé tout seul. Oui, je dormais. Ouais, mais ça arrive très souvent, Olgami. Quand on est avec les aussi le direct de Waka, à un moment donné, 29h, 10h, pas là. Attends-toi à être jeté. Oui, c'est 22h. Non, 22h de la France, oui. C'est 22h de la France, ça va faire 16h d'ici. Que le Mapuka chaud. Ni jasse. Toi, tu es monté encore pendant toute la journée, en tout cas soirée, tu n'as pas parlé. Mais il est temps. Ah, ok. Donc, on va à la musique. Bon, pour celles qui veulent pas descendre, il n'y a pas de problème. Mais je vais à la musique pour au moins 30 minutes, comme on le fait souvent ici à la Wakatolo TV. Et tout. Merci, Left Eye de Wakatolo TV. On y va à la musique au moins pour 30 minutes en boucle. On va mettre du tout, chacun. Whitney Houston, you know. Voilà, c'est bon. Life moves fast, but each new day brings promise and potential. You've worked hard for what you have. Ah,
With Ultra Mobile, home is never too far. C'est une de mes chansons préférées. Ah bon, hein, la chanson là, hein? Ouais, des merdes. Oui, c'est une très belle chanson. Elle, aussi, elle est forte, elle chante très bien. Ah oui, oui, oui. Elle, ah, elle chante, elle a voix. Hein. Oui, et puis elle vieillit pas. Hein. Même pas. Le monde, c'est maintenant infalsifiable, elle s'est réveillée. Nous, on a... moi, j'ai pas dormi encore aux États-Unis. Bonjour, 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 Waka. En tout cas, ça m'a été réveillée. Je suis même là, je suis comme ça. Tu viens de te réveiller, n'est-ce pas? Ouais, 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 ouais. Yeah. Et le monde, hein, avec le décalage horaire. Franchement. La bonne musique m'a attirée. Donc, trop de fesses. Moi, ce qui m'a choqué, même l'année où elle devait faire son conseil chez nous ici, là, celle-là, elle est décédée. Attends, j'avais prévu partir. Non, elle a fait trop mal. Combien de ça? Ah. Oui, elle devait faire un conseil. Puis c'est quelques temps avant le conseil, même qu'elle est décédée. Ah, juste avant. Ok, ok. Oui, oui. Elle m'a fait mal comme ça. Tu sais, combien de ça? J'ai dit que. Oh, oh. Ça m'a fait mal, hein? Attends, elle, qui est décédée? Whitney. Ah, oui, Whitney. Oui, elle devait faire concert chez nous ici. Et j'avais voulu partir, puis c'est là que... Il aimait trop la vie. Attends, mais la fin de Whitney, là, même là. Elle avait fait un concert où elle a perdu la voix, non, elle n'avait plus la voix. Ouh, je pense que c'est difficile. Je crois que tu as dit, je ne comprends pas. C'était très difficile, elle avait perdu la voix. Les gens se sont moqués un peu parce que... Il y avait tellement d'abus sur les substances que elle a perdu sa belle voix là. Oui. Et puis le poids même. Est-ce qu'on peut perdre la voix comme ça sans avoir de problème? Si, si, si. Si, l'alcool. L'alcool a gâté ses cordes vocales. En fait, ce n'est pas l'alcool seulement. Ce n'est pas l'alcool seulement. Elle a pris deux choses. Voilà, elle prenait, oui, bon, en fait, voilà. Ah, elle prend l'alcool et les substances. Elle a eu un concert dans le temps. Elle a eu un concert dans le temps où les gens se sont moqués un peu. Parce que même ils étaient obligés. C'est du début jusqu'à sa fin. C'était triste, quoi, en fait. Elle n'est pas tombée sur les bonnes personnes dans sa vie. Sa famille, même. Elle n'avait pas une bonne famille. Elle n'avait pas un bon mari. Elle a... Tout était mélangé dans sa famille. Voilà. Je pense que sa maman était une bonne maman. Les enfants ont un comportement, elle. Effectivement, c'est le divorce de ses parents. Elle n'avait pas les parents faciles aussi. Le divorce de ses parents a joué un gros coup. Dans la vie, en ce temps, elle était petite. Donc, tu vois, quand deux parents s'entre-déchirent, les enfants prennent un coup. Mais néanmoins, bon, ça n'a pas empêché tout, elle quoi. Elle était avec sa maman. Et sa maman la vendait côté musique. C'est-à-dire que au lieu de lui donner cette enfance, cet amour d'enfance, non, sa maman la vendait, elle voyait du commerce en elle. Elle voyait du commerce. Oui. Et sa maman était sa manager au début. Oui. Donc, c'est quand elle a connu son mari qu'elle s'est écartée de sa maman. En tant Marie, aussi, il n'est pas mieux que maman. Donc, c'est-à-dire que... Il n'est pas mieux, voilà. C'est Marie la même qui l'a mis dans tout ça. D'après, je ne vais pas préciser, c'est elle qui a fait rentrer, c'est elle qui paye notre coup, même pour faire rentrer le gars dedans. D'après. Non, elle était déjà gâtée. Quand elle faisait, tu sais, elle était mannequin, non? Elle avait un peu du mannequinat. Donc, c'est là-bas. C'était avant de prendre son mari. Dernièrement, j'ai été surprise d'entendre que c'est elle qui a mis le gars là-dedans. Alors qu'auparavant, on disait le gars était un gangster. Le gars était un gangster aussi. Elle aimait. Dans les trucs. Mais malgré ça, quand elle fait sortir un album, bonjour, même la chanson vient d'écouter là. Ah non, ça a cartonné. Il y a eu un peu cette jalousie là. Il voulait même gâter sa carrière même aussi. Oui, mais il y a quand sa fille même fait. Parce qu'il y a eu cette jalousie. Voilà, sa fille a fini comme ça aussi. Ça fait mal. Elle est partie avec les mêmes abus. Oui. Bon, ça m'a fait mais la bourgeoise, mais qu'est-ce qui te surprend dans ça? Quand t'en manques d'affection, forcément tu vas là où on te le donne. Hein. Non, ouais, c'est pas faux, ça. Ouais. Quand t'es en manque d'affection, quand tu grandis dans un environnement où il n'y a pas d'amour, forcément, là où... Mais c'est le problème. Tu sais, parfois, on les voit aussi trop comme des gens qu'on commercialise, mais est-ce qu'elle a déjà déclaré qu'elle a grandi sans amour? Faut pas qu'on confirme... Non, il y a eu son documentaire, il y a eu un documentaire sur elle. La maman n'est pas venue contester. Parce que la maman, vraiment, la chose, elle était, c'est comme... Oui, c'est comme la famille Jackson. C'est même un peu pareil. C'est-à-dire que l'enfant qui leur apporte de l'argent...
on ne met pas l'amour dedans, mais on dit va chercher, fais venir l'argent, fais venir l'argent. C'est pas qu'ils mettent pas l'amour, c'est qu'ils sont plus focalisés sur leur projet que de faire prêter attention à leur enfant. D'amour. Voilà, oui, ça n'appelle oui, c'est eux l'amour, peut-être c'est eux, c'est leur joie qu'ils trouvent dedans, mais l'enfant n'a pas de joie dedans. Ils ont été nombreux comme ça, les enfants stars là, ont toujours fini comme ça. Oui. Les enfants stars là, on a vu, comment elle s'appelle, la petite, l'autre là, celle qui s'est rasée la tête un temps là. Hein, qui s'habille nuit là. Britney. Tu as dit quoi? Tu dis quoi? Je dis Britney, son premier son, c'était à 16 ans, non? Elle a commencé dans les films. Voilà, les enfants stars là, bizarrement, leur vie, c'était difficile. Parce que arrivé un moment quand tu gagnes, tu fais rentrer de l'argent pour les parents, tu perds ton enfance. Oui. C'est-à-dire qu'on va te mettre de contrat en contrat, on te laisse plus grandir. Comme tes autres camarades là, donc c'est dur. Voilà, c'est difficile. C'est difficile. Oui, bon, et à Beyoncé. Waka, quoi tu peux mettre Survivor de Destiny Child? Oui, Beyoncé. Beyoncé, c'est en 2011, elle s'est séparée de son papa. Son papa n'était plus son manager. Oui, en 2011. Run to You, de Britney que j'avais déjà préparé. Oui, mais moi, j'ai changé la bourgeoise. C'est Bobby. C'est Bobby. En fait, aujourd'hui, il refait sa vie. Elle est sous terre. Ouais. Non, mais elle avait déjà fait sa vie avant. Elle était déjà gâtée. Non, mais c'est Bobby. C'est Bobby. Il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est lui. Donc, aujourd'hui, elle, il continue sa vie. Moi, je ne vais pas accuser le monsieur. Même s'il est mauvais. Le problème, là, c'est quand il fuyait sa maman, là. Elle pensait trouver le bonheur. C'est-à-dire que son mari allait la protéger. Mais malheureusement, aussi, c'était le même sens, là. Donc, elle cherchait quelqu'un qui la protégeait. Elle était accro à Bobby. Si, on se rappelle, Arnold et Willis.